Salut Jorick. Salut Alexis. Thomas, ça y est, c'est reparti les gars, hein? Salut JC. Salut Tony. Allô Franco. Wow, vous êtes plusieurs, c'est bon. Salut Antoine. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Salut Benjamin. Salut Michael. Allô Fanny. Je vais vous laisser le temps de vous connecter un peu. Est-ce que le son est bon? Vous m'entendez bien? Y a-t-il quelqu'un? Faites le thumbs up. Ah ouais, ok, parfait. Je vais vous laisser le temps encore. Je vais vous laisser un 30 secondes. Salut Louis, JP. Salut Christophe. Antoine. Jean-François. Right, on est prêt à partir? OK, on part notre intro. Salut les athlètes et parents d'athlètes. Salut les forts de Chambly. Coach Goyette pour Goyette 360. Écoutez, d'entrée de jeu, salut les forts, merci les forts. Vous allez comprendre pourquoi je dis merci les forts. Les forts m'ont contacté il n'y a pas longtemps, suite à l'annonce du confinement pour certaines régions. Ils m'ont demandé, coach, tu peux-tu faire un entraînement pour toutes nos équipes? Fait que j'ai dit oui, bien sûr, bien sûr. Comment on va fonctionner? Comment tu veux faire ça? On aimerait ça faire des lives. OK, est-ce qu'on se met, on ouvre-tu une page? Ils m'ont dit, non, coach, on sait que c'est pas facile pour tout le monde. On aimerait ça qu'on le fasse pour tout le monde. On aimerait ça l'offrir à tout le monde. C'est sûr que c'est nous autres qui te le demandent pour nous, mais on aimerait ça le partager. Alors, les forts, merci de votre générosité. Puis, on va en profiter grandement, tout le monde. Je suis super content d'être là. Je suis énervé. Je suis vraiment content, mais c'est jamais la bonne. Je suis jamais là dans le bon temps. On est encore en période de confinement. Ben, pas tout à fait de confinement. C'est juste que le hockey, on est en break, mais ça sera pas pour longtemps. Puis là, ce qui est important, on va essayer de garder la forme, on va essayer de pas lâcher, de continuer à s'entraîner. Moi, de mon côté, j'ai mis le défi 28 jours. Je t'invite à y aller, fais tes tests. Let's go, c'est parti. J'ai déjà mis l'entraînement qui est là. Tu le fais deux, trois fois semaine. Et si tu ajoutes celui-là en plus, je pense que, comme on dit en anglais, tu es all set. Tu es prêt, tu vas avoir tout ce qu'il te faut pour te mettre en forme puis garder ça au maximum. Puis pour certains, ben il y en a qui n'ont pas eu la chance de s'entraîner pendant un certain temps, depuis une couple de semaines. Des fois, il y en a que je vois qui me disent hey, ça fait un mois, coach, j'ai pas eu le temps de m'entraîner, l'école. C'est pas toujours évident, mais voilà, on va prendre cette période-là. On peut pas changer rien, l'autre base. Ce qu'on peut changer, c'est ça. On est capable de se mettre en forme. Alors, on va partir ça. Je t'explique comment on fonctionne aujourd'hui. Comme on a fait dans le passé, dans nos lives, on va faire un petit échauffement. Ensuite, on va faire vraiment un plus gros échauffement. OK? Au début, ce qu'on va faire, on va juste bouger un peu. Après ça, on va partir, on va faire un vrai warm-up qui va durer à peu près 3 minutes. Puis après ça, on part nos trois périodes. Trois périodes d'intensité. Chacune des périodes, on va travailler quelque chose de spécifique. On va travailler de la musculation. Après ça, en deuxième, on va travailler, je te dirais, des sauts un petit peu. On va travailler en bounce, là. On va se faire des petits sauts pour faire en sorte que notre fréquence cardiaque, elle va monter un peu. Puis on va finir ça avec une petite partie conditionnement cardio. Puis les deux dernières périodes, c'est des Tabata.
OK, on va faire ça sous forme Tabata. Puis la première période, puis ton échauffement, on va faire ça comme un circuit avec le timer 30-30. Sauf que le warm-up au début, on va faire un 30-15, 4 exercices. Bref, c'est mêlant quand je te le dis, hein. Mais tu vas voir tout au long de l'entraînement, je vais te donner des cues, je vais te diriger, je vais t'amener avec moi dans l'entraînement. Ça marche? On va s'échauffer, on va partir d'en bas jusqu'en haut. Donc, on part avec les chevilles. Je vais juste aller voir combien qu'on est rendu. 204. Là, on a toutes les forces sont là. Toutes les forces sont là. Puis là, je pense qu'on est rendu même avec du PML. Tout. Là, votre défi, OK, votre défi, à partir des prochaines journées, on partage ça, puis on essaie d'avoir des équipes de partout. OK, partout, à travers le Québec. Ils ont voulu nous mettre en confinement, cette COVID-là. On va le planter, le COVID, nous autres. On va y aller, on va faire le plus gros training hockey qu'il n'y a pas pour montrer comment on est fort. Ça marche? C'est ton défi, puis je te lâcherai pas là-dessus. All right, on commence avec, on tourne, on pointe le pied, puis on va faire des cercles. Je veux que tu sentes ta cheville qui tourne. Ça se peut que ça fasse cric-crac-croc. C'est pas tes céréales, c'est vraiment ta cheville. On tourne l'autre côté, on va faire juste 5-6 tours, doucement. Puis c'est pas toujours évident de tourner d'un côté ou de l'autre. C'est pas grave, l'important, c'est la mobilité. Il faut que ça bouge. On va faire l'autre côté. Même chose. Tu veux juste essayer de tourner. Ça fait du bien. On va essayer de bouger chacune des articulations comme ça, toujours en montant. OK? Ensuite, on va faire les genoux. On va faire des cercles. Même chose, déplie, fléchis. Déplie, toujours comme ça. On tourne, on va faire quelques cercles d'un côté. Ensuite, on va faire quelques cercles de l'autre. Puis là, je vais parler anglais, français, il y a juste l'italien, je ne suis pas capable. Mais j'utilise des termes anglais pour ceux qui ne sont pas familiers avec les lives. Je vais vous expliquer ça le plus simple possible. Ça marche? Puis vous allez comprendre, je suis certain. All right, maintenant, on y va pour les hanches. On garde les pieds, largeur des épaules, largeur des hanches à peu près. Puis on va pousser en arrière, ses côtés, en avant, l'autre côté. Puis là, on va partir des petits ronds comme ça. Fait du bien. Des fois, ça a l'air nono, les mouvements, mais c'est pas compliqué. Faut pas mettre ça compliqué. On revient l'autre côté. L'important, c'est que ce soit facile, faisable. Puis let's go, tu passes au travers. Ça fait la job. Des fois, de vouloir faire les choses trop compliquées, ben, ça le dit, ça complique les affaires, puis c'est pire. Tu fais les mouvements tout croche. Ça, c'est simple. Good. Maintenant, on tourne les épaules. All right. Maintenant, l'autre côté, par en avant. Good. Ensuite, on va aller avec les bras par en arrière. Puis respire tout le temps. Moi, je parle tout le temps, mais toi, faut que tu respires tout le temps. Good. Par en avant maintenant. On fait quelques ronds. Good job. Puis là, entre les périodes, je vais aller vous voir un peu. On va jaser, moi pis toi. Good. Maintenant, on va aller un peu avec ce qu'on appelle la portion thoracique. On va mettre les mains comme ça. Thoracique, c'est ton thorax en haut. Mais là, on va le faire twister ensemble. Tu gardes la main là. Tu vas ouvrir. Tu vas aller complètement à l'opposé. Droite, comme si tu voulais faire une croix. Garde les genoux légèrement fléchis. Reviens l'autre côté. Reviens comme ça. Good. Tu vas en faire quelques-uns. Puis chaque fois que tu ouvres, expire. Good. Exact. Vide l'air. Un autre de chaque côté, mettons. Good. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va fléchir les genoux. Là, on va y aller pencher, puis on va tourner encore. Tu vas aller toucher ton pied. Reviens. L'autre pied. Reviens. Pied. Reviens. Good. Donc, il y a une torsion. On s'entend que le hockey, c'est beaucoup des rotations, hein? Fait que c'est important. Rotation. Rotation. Good. Maintenant, on va descendre en bas, puis tu vas aller toucher en avant, entre tes jambes, puis un peu en arrière, puis on remonte. On descend en avant, milieu, en arrière, remonte. Puis tiens, on va même ajouter, lève les bras dans les airs. Good. Tu vas chercher loin en haut. Deux autres. Good. Hey, là, vous avez le droit, mes athlètes, hein, d'aller chercher vos parents. Amenez-les avec vous autres. Même s'ils viennent de finir de travailler, ils vont super bien dormir à soir. C'est sûr. Dernier.
All right. OK. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je vais aller voir encore. Ça va bien. On est rendu 2,22. Faire un chiffron. 2,22. Là, on va faire le vrai échauffement. Là, on va bouger. On va monter la fréquence cardiaque. La température du corps va augmenter. C'est important avant de travailler fort. C'est important d'augmenter un petit peu ta fréquence cardiaque, faire que ça circule un petit peu plus vite. C'est déjà, on a chaud un peu. On va partir. On va faire des lunge twists. Fait que ce que tu vas faire, tu vas partir, tu peux mettre tes mains ici pour t'assurer que tu vas tourner vraiment avec tes épaules, pas juste tourner avec ta tête puis à peu près. Moi, j'aime ça le faire comme ça. Tu vas faire un lunge, tu tournes, tourne, reviens. Puis tu vas voir, quand tu vas tourner du côté de la jambe qui est en arrière, c'est difficile de garder libre. Puis c'est correct, c'est normal. Pas que tu t'en fasses avec ça, tu vas revenir, ensuite on pousse en arrière, change de bord, twist, twist. On va faire ça pendant 30 secondes, fait que c'est pas long. On va en faire peut-être 2-3 de chaque côté. Après ça, on va jogger. Après ça, on va faire jumping jack. Puis après ça, on va faire des planches. On va faire plank. Puis là, tu vas amener ton pied à côté, puis on twist. C'est comme une position push-up, en fait. Tu vas amener ton pied à côté de ta main, puis on va tourner la main. Là, fais-toi-en pas. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Le but, c'est de s'échauffer. Puis de fois en fois, je vais essayer de garder sensiblement les mêmes exercices pour faire en sorte que tu les contrôles de mieux en mieux, puis tu sois capable de les performer comme il faut, au lieu d'échanger tout le temps, puis tu es toujours pris à regarder ton écran, puis à pas être trop sûr de ce que tu fais. OK? C'est important que tu aies le sentiment que tu fais bien les choses, puis d'être capable de bien performer. Là, tu vas avoir plus de plaisir à le faire. Ça marche? On va y aller avec notre 30-15. Là, je veux juste voir si j'ai mis la bonne affaire. Oui. Fait que prépare-toi. On commence avec les lunges. OK? Donc, on va faire lunge par en avant. Es-tu prêt? On commence ça dans 3, 2, 1. Lunge, tourne, tourne, reviens. Toi, ton but, c'est d'essayer de garder l'équilibre. Chaque fois que tu tournes, vide l'air. Lunge, on revient. Lâche pas. Reviens. Good job. Puis c'est dur, hein? T'as-tu vu? C'est dur de garder l'équilibre quand ta hanche est ouverte. Tourne, tourne. Good. Tourne, tourne. Lâche pas. Good. On a 15 secondes. Maintenant, on va aller courir. Tu cours sur le bout des pieds, comme si tu ne voulais pas faire de bruit. Tu lèves les genoux, puis je veux que tu bouges les bras. Comme si tu voulais les mettre dans tes poches, puis tu ne lèves pas plus haut que tes yeux. 2, 1, on lève. On ne veut pas faire de bruit. Puis moi, j'ai un voisin en bas, fait que je vais encore moins faire de bruit. Parce qu'il a tendance à cogner dans le plancher. Respire. Good job. On ne veut pas courir vite. Je veux juste que tu essaies de lever ton genou au moins presque parallèle à tes hanches. Tire. 7 secondes. Respire. J'espère que tu n'as pas pris un trop gros souper. Jumping jack, on va ouvrir les bras grands. OK? Puis les jambes grandes aussi. En même temps, les deux. On ouvre les deux, on ferme les deux. Ouvre, ferme. Toujours sur les orteils. C'est parti. Respire. C'est important. L'oxygène, ça l'oxygène tes muscles. Puis ça t'aide à être capable de tolérer plus l'acide lactique dans tes jambes. Mais anyway, ça y prend plus de temps. Juste parce que tu respires comme il faut. C'est sûr que l'effort est là quand même. Là. Good! Ensuite, là, on va se placer en push-up. Je vais essayer de me placer pour que tu vois comme il faut. Comme ça, tu vas venir porter le pied à côté de la main. Puis la main qui est à côté du talon, tu vas tourner, puis on revient. OK? Let's go. La main, tourne, reviens en arrière. L'autre bord. Tourne, on revient. Celui-là, c'est celui qui est le moins facile, mais il est tellement efficace. Good. C'est bon pour tes hanches. C'est bon pour le dos thoracique. C'est bon. On twist. Ça ouvre les hanches. Respire. Good job.
terminé pour le warm-up. Es-tu prêt? Là, on va faire de la musculation. Puis là, je suis pas fin, j'ai oublié de te le dire. J'étais tellement énervé de te voir. Tu vas prendre une minute ou deux. Dépêche-toi, va chercher un petit banc, une chaise de cuisine, ton pouf de salon, une table, n'importe quoi. Tu as besoin d'un petit banc. Très haut, regarde. Comme la hauteur d'une chaise. Ça marche? J'arrange. Je vais arranger mon chronomètre. Parce que là, on va tomber chronomètre 30-30. Puis là, on tombe en musculation. OK? Puis on va faire. On a 1, 2, 3, 4, 5 exercices. Tiens, je vais en mettre plus pareil, là. Oups. 30, comme ça. On va s'en mettre un plus. C'est ça. Puis je vais savoir quand est-ce que je vais avoir fini. C'est pas grave. OK. Voici les exercices. Premier exercice, on va faire des push-ups. OK? Push-up au sol. Sinon, tu peux faire des push-ups les mains sur le banc. Puis si tu es un ultra pro, tu peux faire push-up les pieds sur le banc. Ce qui est important, ton corps doit pas bouger. Sauf quand je suis comme ça, là, les mains en avant, je suis pas supposé d'avoir le corps qui creuse comme ça quand je fais mes push-ups. Je suis pas supposé de descendre la tête entre mes mains quand je fais mes push-ups. Je veux que tu descendes la poitrine entre tes mains, puis tu vas voir que tes bras, ils vont faire comme un V comme ça. Ça marche? Tu n'es pas supposé d'avoir les coudes dans les airs. On fait T, on veut faire un V avec. OK? Ensuite, on va faire split squat. Ça, c'est mon exercice préféré. On va mettre un pied sur le banc, l'autre pied en avant, à peu près 3 pas devant. On va descendre 30 secondes une jambe, 30 secondes l'autre jambe. Ensuite, on va se coucher sur le ventre. On va faire Superman pour travailler tous les muscles du dos. Et puis, on va faire V-sit leg raise. Quand tu vas avoir ton banc, on va s'asseoir sur le bout. Puis, on va lever les jambes, juste les jambes. Faut que tu restes en équilibre. Puis, on va terminer ça avec coucher sur le dos, les pieds sur le banc. Puis, on va aller travailler nos fessiers. OK? T'es-tu prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 5, mais 6 à cause qu'on fait deux fois la jambe. Deux fois l'exercice. Combien est-ce qu'on est rendu? 595. On lâche pas. OK, t'es-tu prêt? C'est pas important. Push-up. 3, 2, 1. Let's go. C'est parti. Donne-moi ton best d'un push-up. T'es pas obligé d'aller vite. Contracte les fessiers, barre tes jambes, baisse tes épaules comme ça, comme si tu voulais mettre tes omoplates dans tes poches. Vas-y doucement. Amène ta poitrine entre tes mains. Si tu vois que t'es pas capable de garder une bonne posture ou faire un beau mouvement, descends tes genoux. Continue, fais la même chose. Mais faut pas que ta bédaine touche au sol. Ça marche? Ah ouais, lâche pas. Yes! OK. Split squat. Là, tu as 30 secondes pour te positionner. Fait que pas de stress. Tu accotes ton pied ou ta jambe sur ton banc. Tu vas faire 3 pas en avant. On va aller mettre le pied derrière. Puis ensuite, ce qu'on va faire, tu vas descendre de façon à ce que ton genou arrive à limite avec tes orteils. Puis engage, pousse ta fesse en avant comme si tu voulais étirer ta hanche. Reste droite le plus possible. C'est parti doucement. Amène le bras opposé devant. Good job. Droite. Descends. Contracte ton fessier. Puis essaie toujours de rester, garder ton corps au-dessus de ton pied. Tu devrais être capable de lever ton pied en arrière. Si jamais tu n'es pas capable de le lever quand tu arrives en haut, c'est parce que tu es trop appuyé dessus en arrière. OK? Fait que ça, c'est important. Très bon exercice pour travailler la force de tes jambes. Good. On va changer de jambe, 30 secondes. Très bon exercice, ça. Tu vas voir dans le défi 28, là. T'en as de ça, mais en plus en sautant. Fait que c'est pas facile, mais c'est un exercice qui est hyper payant. 15 secondes. Respire. Tu vas essayer de redescendre ta fréquence cardiaque le plus possible. OK, dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, c'est parti. Pousse ton fessier par en avant. Rentre ton ventre. Monte. Descends. Puis t'es pas obligé d'aller vite. C'est pas important. Quand tu fais de la musculation, c'est du temps sur tension. Combien de temps qu'il y a de la tension sur tes muscles? Là, c'est le fun parce qu'on travaille en 30 secondes. Fait qu'on travaille en temps. Si tu faisais, exemple,
15 répétitions rapides, ça ne serait pas pareil. Tu ne durerais pas 30 secondes. Prends ton temps. Good job. On lâche pas. Superman, on se couche sur le ventre. Tu vas contracter les fessiers. On va aller allonger les bras en V, pas comme ça, en V. Puis tu vas ramener chaque côté de ton corps. Tire tes coudes, contracte tes omoplates. OK? Sans les fesses, lève les jambes. On s'allonge. Puis on va venir contracter, toujours en gardant les pieds soulevés. Puis tes mains aussi. Regarde au sol, lève pas la tête, parce qu'on veut pas se contracter, serrer les vertèbres ensemble dans le cou. On veut garder colonne, position neutre. Respire. Allonge. Allonge. Lâche pas. Yes. Respire. Serre les fessiers. Yeah. Good job. Ensuite, V-sit leg raise. Donc là, ce qu'on va faire, on s'assoit sur le bout du banc. On va essayer de trouver notre équilibre. Tu tiens ton banc ou ta chaise, même si tu es appuyé un peu, c'est pas grave. Puis là, on va lever les pieds avec les jambes légèrement fléchies vers le plafond. Ça, ça fait pas du bien. T'es-tu prêt? 3, 2, 1, let's go. Puis à chaque fois que tu remontes tes jambes, tu veux rapprocher ton haut du corps. Quand tu descends, tu veux t'éloigner, approche. Comme si tu voulais aller toucher la tête à tes genoux. Respire. Puis essaie de garder tes pieds ensemble. Ça fait travailler les muscles à l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Puis c'est bon parce que ça active tes abdos. 3, 2, 1. Hey, good job. Tu travailles bien. Good, next. On va se tourner sur le dos. Puis là, on va aller travailler les fessiers. Ça, c'est un exercice qui est bon pour, encore une fois, ta vitesse. Puis je l'ai aussi dans le défi 28. C'est que là, on va aller pousser avec les fessiers dans les airs, contracte fort, puis on redescend. Ça va? C'est bon pour travailler ta vitesse. Mouvement de patin quand ta jambe pousse vers l'arrière. Contracte les fessiers. Prends ton temps. Chaque fois, pousse avec tes talons. Contracte. Serre fort, fort, fort. Pousse tes hanches. Lève la poitrine aussi. Good. T'assurer que tu pousses vraiment avec tes hanches. Faut que tu sois droit. 10 secondes. Lâche pas. Pousse. Puis mets les paumes de tes mains face au plafond. Ouvre ta poitrine. Yes. Tourner vers l'avant. Hey, on recommence. Ah ouais, t'es capable. On recommence à push-up, là. On fait un autre tour. 20 secondes encore. T'es-tu prêt? Push-up. Place tes mains. Couche-toi sur le ventre. Ça, c'est un truc. Mets tes mains chaque côté de la poitrine. Puis là, tu vois ta tête, où ce qu'elle arrive. Faut qu'elle arrive toujours au même endroit. Si à un moment donné, tu descends puis entre tes mains, pas bon. Ça veut dire que tu descends pas comme il faut. Contracte les omoplates en bas. Pousse. Descends. Pousse. Puis un truc, quand tu es en bas, tire la tête quand tu veux remonter. Tire. Good job. Tire la tête. Lâche pas. Pousse. Descends lentement. Pousse. Contrôle. Descends lentement. Pousse. Pousse fort avec tes paumes de main dans le plancher. Good job. Très bon. Split squat. Tu commences à le sentir un peu. Ça rentre, là. 20 secondes. On respire. Il fait chaud. Let's go. Ça va comme pas assez vite, là. 8 secondes. Dans 5, on fait nos 3 pas. Mets la jambe. C'est parti. Descends bras opposés en avant. Remonte. Si, quand tu arrives en bas, si c'est la jambe droite qui est devant, c'est le bras opposé qui va être en avant. Beau travail. Assure-toi d'être vraiment sur ta cuisse, vraiment au-dessus du pied. Good. Pousse le fessier en avant. Rentre ton nombril.
Ça en fait des affaires à penser, hein? Mais c'est ça, bien s'entraîner. C'est ça, s'entraîner. C'est pas juste pousser ou bouger pour bouger. Il faut l'essayer de le faire le mieux possible. C'est plus payant. Puis t'as moins de chances de te blesser, plus de chances de bien performer. On respire 13 secondes. OK. Es-tu prêt, mon athlète? 8. On se prépare les 3 pas. 4, 3, 2, 1. Let's go. Good job. Reste 3. Chest up. Good work. Lâche pas la machine. Puis t'essaies toujours, en plus de tout ce que je t'ai dit, t'essaies de garder ton genou vraiment en ligne avec tes orteils. Faut pas que ça rentre vers l'intérieur, ton genou, ni vers trop vers l'extérieur. Essaye de garder le genou droit, la hanche enlignée. Moi, tu vois, c'est mon travail, ça. Quand je t'entraîne, je te surveille, puis je te le dis, pousse ton genou, place tes... C'est tough. OK, 20 secondes. Superman. 15. On respire comme il faut. 10. On se place. 5 secondes. 3, 2, 1. Let's go. Yes. Respire. Contracte. Contracte. Good job. Respire comme il faut. Contracte. Garde les pieds dans les airs. Les pas au sol. Puis garde ton regard au plancher. 10. Good job. Maintenant, abdominaux. V-sit leg raise. S'assoit en V. On lève les jambes. On va tenir notre banc comme il fait 15 secondes. On respire. OK, dans 10. Es-tu prêt? Ça va bien? Come on. 5. 3. 2. 1. Let's go. Yes. Chaque fois que tu tires, vide l'air. Good job. Tiens-toi solide. Good. On reste engagé. 8 secondes. 4, 3, 2, 1. Yes. More. Ça va travailler les fessiers. Très bon. Come on, on lâche pas. On se couche sur le dos. All right. On met les mains à l'envers. 15 secondes. 10 secondes. Respire. Ouvre la poitrine. Garde les jambes à 90 degrés environ. On pousse avec les talons. Puis on va aller contracter les fessiers. Good. Hop. Lentement. Hop. Good. Hop. Puis tu vas le sentir un petit peu dans le derrière des jambes. Les ischios, ils travaillent aussi. Puis ça, c'est très important. Travailler le derrière des cuisses aussi, parce que c'est un muscle responsable pour la stabilisation des genoux. Ceux qui ont des bobos de genoux, là, ceux qui ont des mal de genoux, ben c'est souvent à cause de ça. Good job, mon athlète! Première période terminée. On a bien travaillé. On prend une petite gorgée d'eau. Important de s'hydrater. Comment ça se passe? Parle-moi un peu, là. Salut, Jonathan. Sébastien Marsan. Yes! Comment ça va, la gang? On est combien? Hey, on est 173. On a parti à 220. Il y en a qui sont chicken. Ils ont eu peur. Mais c'est correct. Je suis certain qu'à chaque semaine, on va monter. On va monter, c'est sûr. OK. Le prochain qu'on va faire, là, on va aller travailler en Tabata. Premier superset, là, on va travailler le jump.
un petit peu plus cardio. Tu peux tasser, on va tasser notre banc. On n'a pas vraiment besoin, on va juste avoir besoin quand même d'espace. Premier deux exercices qu'on va faire, on va aller patiner. Ice skater, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Une jambe, tu vas sauter, tu vas amortir tout le temps. Prends le temps d'amortir. Puis je veux que tu fléchisses ton genou. Va amortir un peu. Fais pas juste te lancer chaque côté comme ça. Ça, c'est ça, ça ne travaille rien pantoute. Puis tu vas pas bénéficier de cet exercice-là du tout. Faut vraiment que tu prennes le temps de décélérer, on pousse. Amorti, on pousse tout le temps. Deuxième exercice qu'on va faire, walking push-up. OK? On va se placer comme ça. On va descendre, on va aller porter nos mains trois pas en avant. On descend push-up, on revient en arrière trois pas. On retourne trois pas, on marche, on fait une push-up. Ce que tu peux faire, si tu as de la difficulté avec les push-up, plutôt que de mal les faire, tu vas reculer comme ça. Puis dès que tu vas avancer comme en position de push-up, une fois que tu es placé, descends les genoux, push-up, remonte. Tu vois, genoux, push-up, c'est faisable quand même. All right? Donc, Tabata, ceux qui connaissent pas ça, les Tabata, ben c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. On fait ça pour 8 séquences, mais à chaque fois qu'on a 20 secondes, on alterne avec les deux exercices. Donc, on va faire exemple, ice skater, 20 secondes après ça, on va faire notre walking push-up, puis on alterne avec les deux. Tu me suis? T'es-tu prêt? Voilà. Top shape. OK, on lâche pas. On part ça, prépare-toi. Dans, on y va avec ice skater, 3, 2, 1, let's go. Amorti, amorti. Comme si tu voulais pas faire de bruit quand tu atterris. Puis va avec le bras opposé, patine. Tu patines, patines. Ça va aider ton patin. Amorti, baisse tes pieds comme si tu allais t'asseoir sur une chaise. Yes, facile, pas compliqué. Walking push-up. T'es prêt? 3, 2, 1. On marche. Push-up. Back, back, back. On retourne. Push-up. On retourne. Push-up. Yes. À genoux, push-up. Tu vois? C'est la même affaire. À genoux, push-up. Good. Let's go. Push-up. Yes. Yes! Wouh! OK, deuxième. On a quatre à faire comme ça. T'es prêt? Ice skater. Fléchi. Saute amorti. Saute amorti. Good. Respire. Bouge les bras en sautant. C'est important de gérer tes bras. Hein? C'est comme en patin. T'en as besoin de tes bras en patin. Good work. Push-up. Commence, là, hein? OK. 3, 2, 1. Yes. Push-up. Good job. Good. Lâche pas. Push-up. Push-up. High skater. Oh my God. Ça rentre, c'est bon. 2, 1, good. Patine. Amorti, amorti. Good work. C'est ça, faut que tu prennes de la place. Si t'es capable d'aller plus loin, vas-y plus loin. Mais l'important, je veux que tu prennes le temps d'amortir. Good job. Push-up. 3, 2, 1. C'est parti. Push-up. Good job. On retourne. Push-up. On retourne. Yes. Back, back, back. Push-up. Back, back, back. Good job. Push-up. Yes. High skater. Là, ça commence. 3, 2, 1. Yes.
Good job. Lâche pas. Patine. Let's go, papa. Let's go, maman. Come on. Come on, les boys. And girls. On lâche pas les... Come on. Yes. Yes. Si t'es capable, je sais que ça se peut que tu sois fatigué. Essaie de pas arrêter. Même si ça ralentit, vaut mieux ralentir qu'arrêter. Push up. Back, back, back. On retourne. Push up. 1, 2, 3. Push up. Lâche pas. Yes. Ah ouais, ça achève. C'est le dernier. Boom. Come on. Oui, monsieur. Yeah. On a fait le premier. Très bon. Prends une petite gorgée d'eau. Son de la victoire. Oui, monsieur. Good job. OK, prochain. Là, je suis pas certain. Sais-tu ce que je vais faire? Je vais monter le son un peu pour que tu entendes un peu la sonnette. Ça va t'aider si tu regardes pas. OK. Next. Là, on va faire des lunges, mais on va sauter. Regarde bien ce qu'on fait. Tu vas mettre une jambe en arrière, puis en faisant la transition de venir à l'autre, tranquillement, ce que tu vas faire, tu vas ajouter un petit saut. Un saut chaque fois. Si tu n'es pas capable de faire le saut, puis ça te déséquilibre plus que chose, fais-le pas. Tu ne te casses pas la tête, OK? Mais tranquillement, à force de le faire, tu vas avoir du contrôle, puis tu vas pouvoir l'inclure dans ton mouvement, OK? Après ça, on va faire side-to-side plank. Ça, c'est une planche de côté. Comme ça, regarde, on fera pas side-to-side. On va faire le 20 secondes d'un côté. Quand on va revenir, on va faire 20 secondes de l'autre côté. Ça te va-tu? Moins compliqué. OK. Fait qu'on se prépare, on commence avec les lunges. Puis là, prépare-toi. Quand on arrive dans le deuxième tour, là, ça commence à être tough. OK? Lunge, 3, 2, 1, skip, saute. Vas-y avec tes bras aussi. Puis prends le temps. Quand tu fais ton saut, pousse avec ta fesse en arrière. Ça stabilise ton bassin. Ton bassin, ça l'engage. Ton fessier. Là. Yes. Bien compris. All right. Planche de côté maintenant. Rentre en dessous. Colle tes pieds ensemble. Tu vas tirer tes orteils. Serre fort tes jambes. Puis pousse ton fessier vers l'avant. Ouais, pour ouvrir les hanches puis garder tes fessiers bien serrés. Serre. Garde la position. Ça l'aide avec le bras pour garder ton corps droit. Pas que tu t'en ailles trop en arrière ou en avant. 2, 1. That's it. Good. On repart avec les lunges. Pas facile, hein? Prêt? 2, 1. Saute. Saute. Prends le contrôle. Ton atterrissage amorti comme il faut. Good job. Super. Saute. Work. C'est beau ça. Très bon. L'autre côté. Planche l'autre côté. Serre les jambes, tire tes orteils vers toi, puis mets tes pieds un par-dessus l'autre. Garde le coude vraiment en dessous de toi. Faut qu'il soit vis-à-vis ton épaule. Ça, c'est important. Sinon, tu vas avoir mal au bras ou mal à l'épaule. On veut pas ça. Serre les fessiers. Ah ouais, comment la machine? Let's go, let's go, let's go. Good job. Let's go. On retourne. 3, des lunges. 2, 1, saute, 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 amorti. Yes. Amorti, recule. Lâche pas, pousse ton fessier. Good job. Yes. C'est pas facile. Oui, c'est beau. All right, planche, on retourne de l'autre côté. Rentre le coude en dessous, puis quand tu vas pousser, il va venir s'aligner avec ton épaule automatiquement. Pousse tes hanches
tout le temps. Fais juste penser à ça. Contracte fessier, pousse les hanches, sors la poitrine. Ah ouais, lâche pas la machine. 3, 2, 1. Fantastique. Let's go. Il nous reste un autre tour. Un check. Lunge. 2, 1. Let's go. Good. Good. Good job. Lâche pas. Respire comme il faut. Reste solide. Yes! Tu vois, on n'en fait pas plein, mais on en fait des beaux. Ça change tout, ça. Sur le côté, rentre le coude en dessous de toi. Les pieds un par-dessus l'autre. Serre tes fessiers. Puis pense juste à pousser tes hanches. Let's go. Ah ouais, come on, mon athlète, t'es capable. Come on. 10 secondes. Let's go, on est capable. Come on. 3, 2, 1. Good job. Good job. Très bon. All right. Tiens, on va écouter. Prends une petite gorgée. Le son de la victoire. Oui, monsieur. J'aime ça, ce petit son-là. OK. Le prochain qu'on va faire, on va faire squat. On appelle ça des kendo squats, en fait. C'est, on va faire des squats. On va descendre. On va aller toucher le plancher. Tu reviens droite avec un saut. Tout de suite, tu retournes. Ça donne chandelle, move down. Comme ça. Et on va terminer avec plank jack. Ça, ça veut dire, on se place en position de push-up. Puis, on va faire des sauts avec les pieds. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. All right? Comment ça se passe? Hey, les forces sont solides. Mais, hein? Ils sont en forme. Puis là, j'ai mes gars de PML aussi avec ça. Puis là, j'ai des gars de la Beauce qui vont rentrer là-dedans. Je suis sûr, je vais vous appeler bientôt, là. Je vous texte demain matin. Vous êtes mieux d'être là le prochain workout. Mais, hein, on va s'entraîner en fort, ensemble, avec les forces. OK. Petite chose que je veux te dire. Puis ça, c'est important, comme athlète, joueur de hockey, n'importe quoi. Quand il y a un timer, quand il y a un sifflet, quand il y a un temps au tableau, tant que t'es pas arrivé à la dernière seconde, t'arrêtes. Si t'as arrêté, c'est pas les 3 secondes avant, c'est 3 secondes après. Mets-toi ça dans ta tête. Parce que si tu lâches avant mon timer, si tu lâches avant la fin, ça veut dire que tu laisses tomber. Ben, si t'es un vrai athlète, on laisse pas tomber. On est des guerriers toujours jusqu'à la fin. Tout le temps. Puis si on a quelque chose à donner, c'est 3 secondes après. C'est pas 3 secondes avant qu'on va garder quelque chose. Ça marche? 3 secondes après. Tant que le timer n'est pas arrêté, t'arrêtes pas. Ça marche? Let's go. Deuxième. T'es prêt? On part ça avec kendo squat. Let's go les machines. Fin de la deuxième. 2, 1. Squat grenouille, chandelle. Let's go. Come on, and girls, come on. Ouais, faut pas oublier parce que on a des joueuses de hockey. Ils sont pas mal bonnes à part de ça. Pense-moi éviter mes amis des remparts aussi, là. Yes, on va lancer mes invitations demain. Yeah! Alright, maintenant, plank jack. Position push-up. Tu sautes les pieds comme des jumping jacks. Place les mains. Ouvre les pieds. Rentre les pieds, ouvre les pieds. Puis tu veux amortir un peu avec tes genoux. L'important, serre ton ventre. Puis essaye de garder une bonne posture avec ton dos. Tu veux pas te laisser creuser. Garde les abdos bien engagés. Lâche pas. Come on. Yes! Ça, c'était très bien. Faut que tu serres le ventre. T'as pas le choix, là. Squat. Down. Let's go. Lâche pas, mon athlète. Come on. Good. Keep it up. Keep it up. 5 secondes. Come on. 3. 1. Yes. Plank jack. Let's go.
On garde les épaules vraiment au-dessus des mains. Hein? Je veux pas te l'aider du tremplin, là. On lève pas les fesses dans les airs comme ça. Reste bas. Come on. Solide. Faut que tu sentes que tes mains, ils pèsent fort dans le plancher. Ça va t'aider à garder tes abdos engagés aussi. Si tes mains sont trop loin avant de toi, ben, tu vas augmenter la tension et c'est plus dur à garder. Good. Good. Tu sais, si t'es au lieu d'être comme ça, t'es comme ça, ça va pas bien. Ready? 3, 2, 1. Squat. Respire. C'est important. Good job. Sors les fesses. Ouvre les genoux. On veut pas pencher. C'est pas ton haut de corps qui penche. C'est tes fesses qui descendent. Yes. Je veux pas que tu fasses ça. Je veux que tu descendes tes fesses. Pas ton peureux. Position push-up. 3. Let's go. Ouvre, ferme. Good job. Regarde pas tes pieds. Garde tes mains, garde ta tête, tes yeux en avant. Lâche pas. Come on. Yes. One more. Come on. 3, 2, 1. Descends les fesses. Ça commence à rentrer dans les jambes. Tu sens-tu dans ton travail dans tes cuisses? Très bon. Let's go, la machine. 2, 1, yes. Dernier. Ah ouais, come on. Let's go. On respire. Lâche pas la machine. Come on, garde tes épaules au-dessus des mains. On le sent dans les cuisses, c'est bon. Yeah! Yeah! Une autre période de fête. Good job! Woo! C'est fait, c'est fait. Oui, monsieur, le son de la victoire encore. On prend une autre petite gorgée d'eau. Oh my God! Woo! On va être en forme quand ça va recommencer, c'est sûr. OK. Maintenant, on va faire combien qu'on est rendu. OK. La tendance se maintient. 178. C'est bon. Maintenant, on arrive en troisième période. Puis moi, j'aime beaucoup faire, on appelle du footwork. C'est des quick feet. J'aime ça quand on fait ça parce que c'est une façon de travailler le cardio. Puis c'est pas plate, c'est fun, puis c'est très pour toi, ton patin aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va s'imaginer comme s'il y avait deux lignes au sol, OK? Puis, comme si je faisais deux lignes chaque côté de mes pieds quand je garde mes pieds ensemble, deux lignes comme ça. Ou imagine-toi un carré, peu importe, tu es délimité avec deux lignes. Puis là, ce qu'on va faire, c'est sort, rentrante, sort, rentrante, sort. OK? Plus rapidement possible. Toujours en restant sur le bout des pieds. Comme si tu ne voulais pas faire de bruit. Donc, tu dois utiliser le rebond. Ensuite, on va faire plank transfer. Plank transfer. Là, on va s'imaginer encore nos deux lignes. On va mettre nos deux mains sur les lignes. Puis, en position de push-up, avec le bras opposé, tu vas aller toucher l'autre côté de ta ligne. Tu reviens mettre ta main sur ta ligne. L'autre bar. All right. 20 encore. 20 minutes de travail. Mais dans le fond, c'est 20-10. Mais 20 secondes, on va faire quick feet. 20 secondes, core. T'es-tu prêt? On part ça. J'ai-tu des beaux messages? Tout le monde est là? Yes. On lâche pas? OK. C'est parti. On se prépare. Fait qu'on part avec quick feet. In, out, out. 3. 2, 1, let's go. Faut que tu fasses du rebond. Si tu entends tes souliers au sol faire « c'est parce que tu donnes des coups trop forts puis tu n'utilises pas ton rebond. Good. Là, j'aimerais ça aller plus vite, mais
J'ai peur que le voisin d'en bas, il sera pas content. Good! On va l'essayer tantôt. OK. Maintenant, plank transfer. Position push-up. OK, je vais me mettre comme ça. Je sais pas si tu vois bien. Puis on va toucher l'autre côté de la main. Puis tu peux garder les genoux fléchis un peu. Let's go. Touche. Touche. Puis tu essaies de garder le corps le plus droit possible. Tu veux pas trop tourner. Good job. Yes. Quick feet. 5, 7, 3, 2, 1. Let's go. Puis t'essaies de bouger tes bras aussi. Ça, c'est important. Parce que si tu bouges pas tes bras, t'as l'air de ça. T'as l'air d'un mannequin. Faut que tu bouges tes bras. Let's go. Comme si tu courais. Dans le fond, c'est je cours doucement. In, in, out, out. Puis là, j'essaie d'activer le plus vite possible. Plus tu vas vouloir bouger tes bras vite, plus tes jambes vont bouger vite. OK? C'est bien important, tes bras. Let's go. Touch. Parce que souvent, les bras sont trop souvent sont oubliés dans les mouvements. C'est tellement important. Good job. Lâche pas, come on. Good job. Yes. Fait encore, troisième. Trois, deux, un. Let's go. Plus tu vas aller vite avec tes bras, ça contracte ton ventre. Autrement dit, ça engage tes abdos. Ça fait que t'es plus solide. Puis les jambes, ils roulent. Lâche pas. Come on. Yes. Oh. Good job. Let's go. Position push-up. Touche. Good work, good work. Come on. On va toucher. Good job. Woo! One more. What? Il en reste un check. Come on. Deux. Un. Ah ouais, mon athlète. Come on. Let's go, let's go, let's go. T'es capable. Yes. Let's go, man. Let's go, man. Let's go, girls. Let's go, les machines. Lâche pas, mon athlète. Come on. Deux. Un. Oui, monsieur. Il nous en reste un. Hey, on avance dans le temps, c'est très bon. Puis tu vois, plus, si on arrive en troisième période, c'est pas la même énergie, hein? On se comptera pas de menterie, là. On n'a pas le même jus. C'est juste qu'il faut être capable de travailler fort, même quand on est dans cet état de fatigue-là. Yes! Woo! Un autre défaite. Good job. 3, 2, 1. Oui, monsieur. OK. Maintenant, deuxième. All right. On va se servir encore de nos lignes. Puis là, ce qu'on va faire, on avait deux lignes. Chaque coup, on va se placer d'un côté différent. Je t'explique. On va se placer à gauche. Tes deux pieds à l'extérieur de la ligne. Puis là, cette fois-là, tu vas faire comme si tu courais, puis tu vas aller taper le pied dedans, le pied dehors, le pied dedans, le pied dehors, mais il y a toujours juste un pied et le même pied qui rentre, qui sort tout le long. Ensuite, on va revenir, on va faire l'autre côté. Ça marche. En superset avec, c'est pas facile, planche. On va faire planche, on appelle ça planche coude-main. C'est que tu vas te placer en position de planche, les coudes au sol, puis tu vas monter sur les mains. Tu redescends sur les coudes, tu montes sur les mains. Là, écoute-moi bien, il y a quelque chose de bien précis que je veux te donner comme explication, puis je veux que tu travailles là-dessus. Parce que là, on peut faire ça n'importe comment, cet exercice-là, puis crois-moi, j'en ai vu plein de planches coudes-mains. OK? Moi, ce que je veux, c'est quand tu te places à la planche comme ça,
un de tes coudes vis-à-vis de tes épaules. Ça, c'est important. Pas comme ça, à côté sur toi, puis pas comme ça, éloigné, vis-à-vis, coude vis-à-vis tes épaules. Ça va? Fait que là, tu pars comme ça. Ensuite, quand tu vas aller mettre ta main au sol, là, tu vois mon coude est ici, bien, je veux que tu viennes mettre ta main à la même place que ton coude était. Tu vas voir que là, bon Québécois, c'est un autre game. Fait que c'est important que tu fasses ça, parce que sinon, tu vas mettre tes coudes ici, tu vas porter tes mains là, les coudes ici, les mains là. C'est pas que c'est plus facile, mais c'est pas ça l'exercice. L'exercice, c'est que tu te forces à monter sur tes mains. Là, tu montes quasiment pas quand tu fais ça. Je veux que tu forces pour monter, ça fait travailler tes bras, fait travailler ta poitrine, fait travailler tes abdos, plus payant. OK? Fait que on part à côté, un foot in and out. Un pied in and out. Après ça, on va de l'autre côté. Un pied in and out. Mais là, on va toujours alterner comme tantôt avec les abdos. Faites-en pas. Des fois, c'est pas clair ce que je te dis. Je te coach à travers ça. On le fait ensemble. Anyway, t'es prêt? Fait que là, nous autres, on s'installe. On se place à côté. T'es prêt? Dans 3, 2, 1. Cours. Un dedans, un dehors. Un dedans, dehors. Dedans, dehors. Dedans, dehors. Bouge tes bras encore. Oh, tabarouette. Let's go. Oh, wait. Come on, guys. Garde les genoux fléchis un peu. Toujours sur les orteils, on rebondit. Come on, keep it up. Coup de main. Puis je suis mieux de pas te voir tricher. Hein? Let's go. On se place sur les coudes. All right. Ton coude est là. Mets ta main. Lève l'autre bord. Même chose, redescends. Coup de main. Good. Puis si c'est glissant, c'est je suis en train de vivre. Mets ta serviette. On va faire ça. Hop. T'essayes de stabiliser ton corps. Tu veux pas que ton corps il tourne partout. Solide. Tourne doucement de façon à ce que ton corps reste droit. OK? L'autre côté. Même chose. Rentre, sort. Let's go. Rentre, sort. Ah ouais, come on. Puis tu vas t'apercevoir qu'il y a un côté qui va plus vite que l'autre, que tu as plus de facilité que l'autre, pas grave. Puis reste focus à faire le bon jeu de pied. Pas à peu près. Good job. Main. Let's go. On met les coudes. Ready. Stabilise ton tronc. Serre les abdos. Monte. Descends. Monte. Descends. Monte. Doucement quand tu descends. Pas que tu te fasses mal. On veut pas te casser. Let's go. Travaille fort. C'est ça. Puis même si tu montes pas souvent, même si tu en fais trois, c'est trois durement travaillés. Let's go. Ah ouais, mon athlète, come on. Keep it up, keep it up. Ah ouais, t'es capable. In and out, in and out. Je bougeais ma jambe, là, je te vois. Je m'en rappelais même plus. All right. On se prépare. Coup de main. Let's go. Up, down. Lâche pas, serre les abdos forts. Les bras qui travaillent, les abdos qui travaillent. Même les jambes travaillent. Lâche pas la machine, come on. Je sais que c'est tough. Yes. Oh yes. Come on. One more. Un autre de chaque. L'autre côté. Ready? Let's go. Come on, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Juste une jambe qui rentre, qui sort. Ah ouais, come on. 4 secondes, let's go. 2, 1, yes sir. 10 heures, reste un. Une planche. Let's go, man. Lâche pas, mon athlète, come on. Yeah, monte. Ah ouais, descend, on n'est pas des lâcheux, come on. C'est dur. Let's go ensemble. Come on. Good job. Good job.
Let's go, let's go, let's go. Serre fort. Descends. On remonte. Yeah! Un autre défaite. Alors, certains, on va écouter le son de la victoire dans 4, 3, 2, 1. Yes! OK. Là, j'espère, je ne sais pas, je pense qu'on va buster le temps un peu. On va l'essayer quand même. Ça se peut que ça arrête, parce que je pense que c'est une heure pile. On va en faire un petit dernier. Mais ce qu'on va faire, on va faire 3 fois 30 secondes de sprint avec 20 secondes de repos. C'est comme ça qu'on va le finir. OK? Fait qu'on va faire de la course. Bien, garde, on va garder notre 20 secondes, mais on en fait seulement, on va faire 4 sprints. 4 sprints, c'est tough. 20 secondes de travail, on a juste 10 secondes de repos. Ça marche? Puis là, les sprints, comme tantôt on courait, je veux pas que tu lèves tes jambes bien hautes. Je veux que tu cours vite. Essaye de jogger vite, vite, vite. En bougeant tes bras, bonne posture, reste sur tes orteils. Bang, 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 on va vite. Ça marche? T'es-tu prêt? Dernier bout. Êtes-vous tout là encore? Ben oui, ça n'a même pas descendu. Yes! Lâchez pas l'effort. 3, 2, 1. Let's go! Là, ça se peut que mon micro saute. Come on, come on, come on! Ah ouais, let's go, 5 secondes. OK, respire. Tu vas voir, ça vient vite. 2, 1. Tu vois, on va manquer de jus. C'est pas grave. Tu donnes ce que tu peux. Ah ouais, come on. Bouge les bras. Bouge les jambes. 5 secondes. 3, 2, 1. 10 secondes. 2, 1. Et que c'est tough. Oh, ouais, come on. Celle-là, c'est le pire. Oh, ouais, 10 secondes. Même si ça va moins vite. 2. Dernier. Ah ouais, c'est tough en mort. 2. 1. Let's go. Ah ouais, c'est le dernier. Come on, come on. Ah ouais, 10 secondes. On se donne, come on boys, come on girls, 3, 2, 1, oh yes, oh, oh, oh yes, hey, on a fini la troisième période, oh boy, good job, on a fini la troisième période en force, t'as vu, on a fait moins de temps. On a juste des petits 20 secondes. T'as-tu vu comment c'est tough? Fait que tu sais, si tu travailles fort quand t'embarques sur la glace, ben, tes chiffres, ils devraient pas durer une minute et demie, hein? Sinon, ça veut dire que tu traînes tes pieds un peu. Fait que tu vois à quel point c'est important. Ton entraînement, en fait, ce que tu viens de faire là aujourd'hui, ça sert à celui-là, je te dirais, pas nécessairement. Tu vas pas patiner plus vite. Ça t'aide à avoir un meilleur cardio puis une condition physique générale, ce qui fait que ça t'aide à récupérer entre tes chiffres sur la glace. Puis ça t'aide à durer tout le match. Fait que c'est important que tu t'entraînes aussi, même quand tu joues au hockey, pendant la saison. Il y en a beaucoup, ils se disent, ben non, pendant la saison, j'ai pas besoin de m'entraîner, c'est trop. Puis tu arrives au mois de décembre, puis tu es super fatigué. Bien souvent, c'est une raison. Tu es fatigué parce que tu n'en fais pas assez. Tu t'entraînes pas assez. Tu forces pas ton corps à être capable de tout prendre ce travail-là puis faciliter ta récupération. Fait que tu sous-estimes pas ton travail. Sous-estime pas l'entraînement puis pense pas que c'est trop.
c'est pas trop. T'es un athlète, t'es capable de le prendre. Je te dis pas de t'entraîner tous les jours, puis surtout pas quand t'as un match. Mais ce qui est important, c'est que tu continues à t'entraîner. Quand t'as des congés, entraîne-toi. C'est pas une heure par jour qui va te tuer. T'enlèveras une heure de ton Xbox, rajoute une heure d'entraînement, puis regarde bien la différence que ça va faire dans ta vie d'athlète. All right? Fait que lâche pas. Continue à travailler fort. Merci d'être là. Le défi 28 jours. Oublie pas, partage à tes amis. La semaine prochaine, là, faut dépasser 200. Faut se ramasser avec toutes les équipes du Québec. All right? On se donne ça comme mission. Moi, je vais achaler tout le monde. Je suis prête, là. T'es-tu prête? Let's go. On y va. Salut les forts. Bon dodo. Puis on se revoit la semaine prochaine. Salut.